Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. On a démarré avec information concernant Zak kidnapping au cap rapoussible cap fait chaque jour dans société haïtienne. Non, ben nouvelle là c'est que nous apprenons là gain pasteur Alcero Makature que tout le monde connaît et ben qui c'est PDG Alma, hein, Alma entreprise. Et ben Alcero Makature qui est bandit kidnappé à lundi 2 après 2 mai 2022 dans Pétionville précisément sous Tafray département de l'Ouest d'Haïti. Mais bandit qui est kidnappé, mais Alcero Makature environ 3 heures de l'après-midi, d'après éléments d'information. Mais le contacté dans le téléphone famille, mais pasteur Alcero Makature, mais côté que il a confirmé nouvelle là que bandit est kidnappé Alcero Makature et un dit employé Lio qui a travaillé en Allemagne confirmé nouvelle là pour la presse que mais pasteur Alcero Makature bandit kidnappé hier après-midi environ 3 heures sur route de frères. Selon ça, on sait que nous capable faire confiance à pasteur Alcero Makature lui-même qui t'a lavé machine et gelé mais dans un moment dans quelques environ dans zone côté que lui-même belle avait machiné d'après information yo, mais c'est là dit même yo enlevé et pasteur Alcero Makature. Jean Diane connaît Alcero Makature lui-même qui c'est on dit et PDG président directeur allemand entreprise allemande qui gagne sans divers annexes et divers localités gagne dans centre-ville gagne sous ou deux frères Torcel précisément ces zones ou deux frères même Bapiba cimetière capable c'est là centrale là censé lui-même lié et capable de dire, il est difficile pour moi de ne pas attendre de parler de Alcero Makature. Au lieu de ne pas connaître le visage, mais de vous dire dans une question entreprise funéraire, ou pas qu'à dire ou pas, et habitué avec non Alcero Makature, ou bien allemand, comme non ça, libre avec entreprise. Mais c'est ça la nouvelle, c'est que bandit est kidnappé et pasteur Alcero Makature. Il y a l'autre encore, ça kidnapping, machine, tout ça, qui fait pendant, on dit hier, pendant le week-end. Aujourd'hui, il y a l'autre monde qui est victime, ça kidnapping. Napin a gagné bureau secrétaire d'État intégration mon handicapé qui soutient notre sous employé qui victime bureau secrétaire d'État intégration mon handicapé regrette avoir annoncé nèg examen gagné en possession deux machines qui pour institution et puis au kidnappé directeur cabinet à qui ont chauffeur secrétaire d'État véhicule ça yo activement recherché COF 4079 c'est un Toyota Prado blanc. Deuxième plaque là, c'est SE05406. C'est même Macla Toyota Prado Blanc. Bureau secrétaire d'État exige libération de serviteurs républicains. C'est service communication qui mettait notre ADO qui a annoncé non seulement yo kidnappé deux emplois institutions qui c'est directeur cabinet et puis chauffeur secrétaire d'État. Mais tu regardes deux machines. Il n'y a pas plus plaque yo, c'est OF4079 Toyota Prado Blanc. SE05406 Toyota à Prado Blanc. Toujours question, Andy, Zach, mauvais action qu'a fait. J'aime des détails là vraiment. Et Cordonneau qui est voué ça pour nous commenter à jour concernant Alcero Makature qui était toujours profité, toujours fait Andy distribution et Andy kit alimentaire, l'autre Andy qui choye avec des séries de monde qui n'a besoin. Et Alcero Makature souvent fait ça. Et pendant toute période Andy Corona, il fait ça souvent tout, soit mois de décembre ou bien mois de mai, toujours by plusieurs dizaines, plusieurs centaines de familles, y ont un petit qui choye pour capable garder comment capable dégager. J'avais dit Alcero Makature son monde tout qui est livré le tout à côté de qui sont entreprises privées, mais livré le tout, non, on dit fait zèvre avec Sila qui n'a besoin. Yo. Nous apprenons là tout, l'autre information, gagnons machine ministère fait étranger culte que au pas ouais, bandit kidnap mandial avec lui et dans date qui était dimanche 24 avril 2022 dans niveau d'Elma 60 individus qui étaient gagné gros âme dans meyo qui suite avec une tentative kidnapping qui t'a fait dans zone ça
un BMW machine Mack Cherokee couleur noire qui est pour plaque les IT 07 530, qui pour pack automobile ministre affaires étrangères culte Merke qui bandit armé même allé ensemble avec et après sa ministère lui-même l'y informé avec et public là, il fait qu'on est que lui demander avec autorité, demander avec la police, lui mettre ça avec la police pour capable chercher et joindre machine ça pour que machine ça s'il t'a commettre via action dans la rien, mais il déjà qu'on est que le ministère lui-même lui fait suite légal pour informer autorité policière pour dire que machine ça mais bandit lourdement armé mais il aller avec machine ça jeune dire et Cherokee couleur noire qui est pour plaque IT 07 630 qui pour ministère et affaires étrangères culte que mes bandits armés aller avec lui yo mandé avec autorité policière yo pour faire tout de suite légal yo pour capable garder comment capable jeune machine ça pour empêcher qu'il fait vie action dans la rien sous population civile. On a toujours été sous dossier sécurité. J'ai noté annoncé ça notre site journal là la plaine cité soleil qu'on ait une journée tension à lundi côté 400 maozo attaqué base chez méchant qu'on a la plaine en pile mon obligé qu'on quitte la caillou en pile là d'ailleurs t'es prend direction plateau central ainsi ton Mirbalet hier soir gain là d'ailleurs quitte toujours sous place là place Mirbalet et non pas permet tout côté quelque là d'ailleurs qui peut donc habiter Chada depuis qu'il est en difficulté depuis dimanche depuis le 24 avril mais je dis on a une chance pour sortir. Oui, je dis on a une chance pour sortir. Moi, je nous pas gros bagage dans mes nous et tout. Nous pas quitter pour nous quitter tout bagage net. Mais est-ce que nous espérons retourner encore? Bon, bah connais pas quand dit retourner si nous pas retourner parce que nous quitter tout à fait nous net. Et même côté nous sortir depuis dimanche 24 avril nous dans la rue. Nous pas sortir, si nous sortir c'est dans courir même les vous pour entrer la carrosse dans difficulté pour entrer. Après ça, bon, je dis là, je dis nous dans espace, nous capable sortir. Mais est-ce que l'idée facile pour nous de sortir? Quitter la caille nous. C'est pas facile pour nous sortir. Et courir pour nous aussi la vie dégager nous pour nous sortir. Courir tirer balle. Il y a boule, il y a pas de fait pour nous pas arrêter nous pour nous. Nous courir quitter caille nous pas pour nous ben. Depuis matin. Nous dans la rue. Nous parti tout ça là avec tout monde là. Depuis matin nous dans la rue. Mais moi ouais ou pas gagne en pile valise est-ce que nous pas nous pas capoter nous pas prendre toi pour nous pas prendre pour nous mais balle mira et tout monde va parler tout monde m'arrêter juste pour quitter toute bagaille ça fait yo pour quitter toute bagaille demain des pieds nouillé ou espérons on est capable de tourner pour nous ça quoi ah nous pas connu qu'il est rap tourner m'pas connu qu'il est affaire yo perdu m'pas connu qu'il est rap tourner c'est au caï c'est bail cop caï toute bagaille manda m'a connu. Je ne sais pas si je suis chaud, je ne sais pas si je suis sortir à l'échaud. Mon appui, mon passé, mon appui, mon boulet. Qui va nous sortir? Tabatoua. Je suis là, je m'a dit, mon tout le monde. Je disais, c'est ce coup à nous, nous cassions, nous arrachions, nous cassions, maman petite, papa petite, et dit, année là, j'ai l'école. Tout le monde a quitté la carrière, tout le monde a quitté ça au procédé. On se le c'est beaucoup la fait. C'est beaucoup la fait, bon Dieu là, et bon Dieu la vie à garder tout le monde. Bon Dieu là et bon Dieu la vie, mon qui comprend, qui a compris nos seuls barres. Ma profite de toute forme avec Semio, puis on est sous charge de tolérance, discipline. Non, c'est pourquoi la fin, nous pas tout le monde Haïti pas mourir. Même si petit moins Haïti qui pour libérer quand même. Mais on seul barres moi-même, on connaît que ça m'a pas dit population, c'est pourquoi la fin. Les mon qui pas comme mourir, le beaucoup de yo, abrite au côté pas quitter au tuyau. Faut voir Haïti tout neuf cap gagner. C'était des volontés ou pas d'apprendre sans nous balayer ou d'apprécier le plan. Kamala, là, c'est tout le monde. Pas de Dieu sur la terre. Tout le monde, nous tous se passagers. Nous tous devons aller. Voilà, ça s'écrit divers habitants qui sorti Andy en pleine cité soleil, nous tant des criots, nous tant des et sorti de Chada pour atterrir sur place Mibalène, qui a compris la situation ça, qui a compris. Et Kassakal avec Caporal Tsukoyo qui baguette après rien. Bon là encore, rivé place car et mieux balai. Oh, c'est bon paguette pour moi. Oui, mais c'est sous place à puis foyer. C'est bon prochain tout qui chauffe, qui de bon cœur, tout qui prend qui résine au calaveur le bois. Parce que bon monde, ça se connaît ce qu'il y a un copain pour être payé machin le bois. Moi, c'est certain que l'autorité
bon, attendez. On pas besoin de dire si vous attendez, bon, attendez. Bon, c'est si me dit si vous attendez, c'est son pléonasme, pas vrai, son pléonasme qui attendez. Mais et Jean Dame Nandi, on parle Dame Nandi dans tout ça, dit à qui attire attention. Lui-même tout Haïti pas fini et c'est pas la fin du monde. Il s'est lui souhaité une nouvelle Haïti. Moi-même tout me souhaite une nouvelle Haïti. Nous venons avec l'autre réaction concernant ça qui est passé dans plein dans la réseau national qui a défendu Mounio, il dit et pourquoi capable de bilan définitif sur ça qui a passé dans plein dans à cause de la difficulté pour jouer l'information dans la zone Silayo. C'est Bada Pierre Espérance fait qu'on ait bilan dépassé 20 mounes protection civile à Bailan pour défendre Edouard Mounio qui est plusieurs autres jeunes garçons avec la femme qui voulait sans compter l'autre qui j'étais dans Tourego. Défense Edouard Mounio dénoncé autorité politique qui plutôt fait alliance avec Gagnio, au lieu de résoudre un problème, non, libre exemple pour l'international, là, cap si porté gang, chien méchant, cap et selon ça qui dit, bon côté, Pierre, Espérance, en côté de la micro, Jean-Philippe Massé. Pour ta protéger la population, non, ça au fait, c'est comme si qui vient dans sa blindée avec une machine blindée avec chez méchant, parce que je suis dans son gang qui n'a Genève et allié, donc il a protégé eux. Mais il n'a pas fait aucun effort pour ouvrir un couloir humanitaire qui pour permettre que les gens soient capables, les gens qui ont une situation difficile, qui ont un caillou, qui ne peuvent pas déplacer, et puis les gens qui ont une vision sur les côtés, ils n'ont pas une secours. Ouais, donc la police là, il fait choisir. Et c'est ça, oui, là, nous faisons toujours dénoncer dans le pays, toute masse, ouais, dans le pays, et dans toute masse, ça a une implication, équipement matériel, la police, là, dans les donc, nous présentons ces vaccins, par des victimes, une famille victime, et nous disons, nous sommes solidaires avec eux. Donc, c'est pour la population qui voulait lever camper, c'est pour nous lever camper, pour nous marrer. Bandit à costume, bandit à cravate, bandit à sapate. Parce que ce n'est pas normal pour nous quitter, pour nous accepter que mon régime qui se pouvoir continue à gangrer les pays et qu'on s'est terrorisé par la population. Donc, situation ça, les révoltants et jeudi en Haïti, on n'a pas parlé des droits mondes. Donc, tout indicateur dans lequel il y a des droits, il y a tout au rouge. Écoutez, même mon rival qui allait à l'hôpital et qui mourut à l'hôpital, il a pris passer en vingtaine. Donc, il faut nous comprendre que la protection civile, et même les bails syndicats, c'est normal, les bails chiffres que je veux. Et on est là, c'est l'organisation de la société qui continue à rencontrer les femmes victimes pour être capable de présenter un bilan. Mais ça, nous ne pas. Bilan, c'est lourd, c'est grave. On a pile mon tête. Et après nous mourir, après nous blesser, après nous prendre, nous prenons balle, après nous mourir, 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 nous mourir. Donc, son situation est extrêmement grave. Malheureusement, le pays a, ou bien les autorités qui n'ont pas de pays, ils ont choisi de faire alliance avec Gagnon pour quitter le pouvoir et puis la population souffrir. Et voilà la déclaration Pierre Espérance, qui lui-même c'est responsable directeur exécutif réseau national Cap Défend Edouard Mounio. Nous pourrons venir avec l'autre réaction toujours dans le même dossier ça, gain protecteur citoyen qui est pas suspendu réagit concernant et ça qui a passé dans plein dans quoi des bouquets depuis plus passé une semaine et gain l'autre acteur tout qui réagit par rapport avec la situation ça, gain défenseur des droits humains qui c'est Maître Arnel Rémy, qui c'est responsable collectif avocat Cap Défendre Mounio, qui parlait, qui, quoi que je dis, il faut que gagne un mot qui dit, gagne une urgence pour que yo capable de permettre la vie reprendre dans différentes zones si là yo. Oui, nous allons poursuivre avec réaction sur la situation ça qui gagne dans la pleine, toujours dans la question insécurité, gagne Maître Arnel Rémy, qui c'est un responsable collectif avocat Cap Défendre Mounio, qui explique que c'est par rapport à la situation qui a développé dans pleine. Qui dégénéré depuis hier lundi hein, quand on a été cadeau à mettre en elle mais quoi situation ça a dépassé la police qui a toute qualité difficulté ta cousin avec munitions pour yo bataille sans compter gang qui infiltré institution ça défenseur doit mon amour des conseils sécurité ONU réagit pressé pour voir une force militaire pour contrer carré gang yo mettre en elle mais quoi population pape kakembe pour même pour quelques jours encore en coûter mettre
Arnel Rémy qui était dans le micro collaborateur nous Jean-Philippe Massier qui t'a réagi sur situation et sécurité ça. Les situations compliquées, yo entre l'un comme le mentor et comme si on a mis temps plusieurs groupes gangs et puis les a tiré sous l'autre. Balle a tombé n'importe côté, mon ami doit la caler. Puis bon, grande balle qui vient de jouer les victimes, famille victime, petite victime. Balle a vraiment critique et balle a vraiment grave parce que c'est la première fois nous arrivons dans une situation comme ça parce que tout pays, tout côté dans l'air métropolitaine, toutes ces gangs, ces groupes gangs qui battent entre eux. Maintenant, on dirait que société, hein, sont société qui lague pour contre lui, sont société qui pas un dirigeant, sont société qui pas un l'État, sont société qui pas une personne qui prend des décisions politiques pour permettre qu'il y ait une stabilité dans le pays. Là encore, vous venez comprendre que, la salut ou bien problème, alors, résultat à problème ça, pas pour aujourd'hui. Même dans le niveau cadeau, obligé et continuer dix populations faire preuve de prudence parce que si mal dit la police bon dans combattant opération la police pour mettre la paix et dans zone ça dans zone côté dans la bataille m'a parlé avec un matin là la femme tendait des bruits de cartouches. Tête chargée, c'est des armes, moi, des coups d'armes sont passés. Alors, problème grave, crise aiguë, situation compliquée. Mon cher, on dirait que là, moi-même, t'as suggéré que la communauté internationale a dit en bon, on va ça parce que là, la police est débordée. Elle dit, ou senti que déjà la police n'est pas capable de solution. Ariel pas capable de solution. Donc, c'est dans ce sens à même penser. Là, il faut une intervention du que Nations Unies réunit un conseil. Font une extraordinaire décider pour qu'un shot de force qui vienne porter appui à la police et pour mater et gang ça cap fait de l'eau couler dans les yeux papa ici. Les faits sont là, les faits sont certains. Population à victime, population à souffrir, population en problème, population en grand goût. Elle dit mon yo pour déjà pour cette si malette si sac zorier ti boki qui a couru quitter la caillou à pied à terre. Elle dit là écoutez nous gagne presque 8 mois 9 mois depuis la population a souffert, mon matin sans même pas passer. Donc on a même arrivé dans la zone 400 Maozo, zone noire. Donc ça fait là, qu'on a là, c'est pour montrer que et la crise a atteint son paroxysme et que l'État vraiment pas capable. L'État pas capable de résultat, l'État pas capable de solution. Rien n'a pas fait tout et nous pas besoin de tout dans le moment là. Donc même penser que c'est extrêmement important pour que et Nations Unies ou bien Conseil de sécurité. Moi, nous-mêmes, au niveau cadeau, nous en faisons une intervention étrangère parce que, écoutez, la population n'est pas capable de quoi. Nous, pas complices, Gégo Kékassé, pour façon de gagner, continuer à faire face, à faire ça, à ouvrir en deux pays. Après Sudlan, fois ça, c'est grand nos pays, les gars, amis, contrôlés en base d'autorité. Ricardo Fleuridor continue à exiger un appui technique international pour venir résoudre un problème, gang, là, pas boy site. Petro Challenger croit situation, ça a dépassé PNH, là, qui les mêmes change et chargé avec un problème pâle. En côté Ricardo Fleuridor. Non, on va compliquer, on a déjà pu voir tout ce qu'il y a dans le pays, là, parce que. La sécurité grandissante, nous, là, c'est pas le dial commencé. Et ouais, pour la population, on a déjà dit ça, nous, à travers différentes conférences de presse, nous, à travers plusieurs sorties, nous, faire dans les médias. On a dit population, quand les GIO, mettre pression sur le gouvernement qui l'a eu, parce que nous, en face, on crise sociétale sans pareil, côté, dans le un moment, tout pays à net a effondré dans la crise d'insécurité, ça, même si nous, elle matissant, nous qui pétions en ville, nous devons lever campé pour forcer l'État à résoudre parce que c'est marché là marché. Et bien je dis à nous tout ouel, je dis à c'est laisse nous porter conscience qu'il faut appeler à l'insécurité. Il y a des fois pas aller dans l'Est, on parle de fois à plateau Saint-Pierre, pour aller Gonaïve, faut aller dans le nord, faut aller nord-est, faut aller ensemble de l'autre ville encore regarder. Tout pleinement net maintenant la levée, un diapason, on a couru quitter caillou, couru par ci par là, plateau central, il y a des images qui ont monté au monde, qui ont couru monter sur notre par contre côté où aller, ou bon situation de fait qui vivait dans un moment, côté que population déjà défavorisée, côté population n'a pas rien là pour faire, pour manger, pour boire, il n'y a pas de travail, il y a un monde qui a pensé avec lui, et c'est dans un moment ça, population a connu la sécurité ça, qui n'est pas seulement une sécurité physique, mais un rôle de jouer sur l'économie pays, l'aide considérée plus
divers départements de pays là tout bloqué, permutation économique n'est pas qu'à faire, ça qui va créer plus grand goût, plus chômage, plus inflation pour la population. C'est peut-être ça nous même nous pas complice, n'a continuer avec plaidoyer nous te commencé à nous te dire clair depuis un certain temps la police a pas capable, la police a des problèmes effectifs, qui a trop ramification entre certains policiers avec certains groupes armés, qui a trop problèmes en dans effectif en dans la police qui cause que police a pas qu'à travailler normalement, qui a problème munition, qui a problème encadrement victime qui t'a dû faire qui pas qu'à faire. Or, besoin une réponse urgent parce que son problème urgent posé face avec toute situation ça nous même nous croyons que son demande d'assistance technique et logistique de communauté internationale là qui veut venir aider nous résoudre problème de sécurité nous là. Parce que le problème, ça nous vient là, je dis à la, la police n'a pas capable, la police n'a pas de formation pour lui, la police a, nous vient là, la police qui est morale vraiment affaiblie, sont la police qui n'a pas touché, sont la police qui n'a pas de moyens à bord pour battre contre bandits. Ou d'autant plus, je dis à bandits, même yo plus mieux organisé, yo mieux équipé, et yo plus service renseignement, qui plus effectif que la police là. Tout ça a fait nous-mêmes dans ce que nous ne pouvons pas comprendre que je dis à la page ou pas bien, c'est les gens, si nous voulons, en attendant que nous jouons un problème à crise politique, à crise économique, mais c'est mettre tête ensemble dans la société civile là, dans la classe politique là, si bien toujours, avec tout l'autre acteur capable de réfléchir pour porter solution dans la crise là, pour nous faire une seule tête collée pour nous dire, monsieur, pas la dépasser nous. N'a toujours été sous même dossier, ça change populairement de tout le monde, la pleine cité sous les maths, cap couille pour gagner le plan, à piquet, yo, douvant, ou bien au premier ministre, nan, musso, c'est appel coordonnaté sectis, à Réginald Dumé, qui lancé hier lundi, Petro Challenge, à quoi, c'est elle façon pour citoyens, ça aura l'air, on souffre, pendant y'a forcé autorité, yo, après responsabilité, yo, et Réginald Dumé exige démission, Ariel Henry, qui d'après, il n'est pas pris rien, en tête primatière, côté déclaration. Maintenant, son message clair, by prepare ici, pour nous dire, tout le monde, qui dans une série de zones qui ont été mettez de yon, même genre avec Martin Saint-Jodia là, qui ont mettez de yon, qui sous toute place, nous comptons qui Clessine et place et Venezuela et qui sont Tiavest, tout côté, nous avons seul côté nous supposons venir poser nous, venir refuser nous. Nous pas qu'à arrêter côté, nous avons des bruits dans la tête nous encore. Je dis tout le monde ça aussi dans le cafou, mais pour venir refuser, ou venir à Carban, nous venir à Drano. C'est là, pas tant de balles dans la tête, c'est là, des monde. Cap passer dans gros machine qui t'a supposé ba sécurité cap dormir tranquille c'est non là yo ka vinn dormir tranquille tout c'est dans ka fournisseur yo ka vinn dormir tranquille mettez tente yo mettez drap yo mettez cabane yo fait là tout nou abri provisoire pour que yo même moun sa yo pour nous est-ce que au moins y a une conscience de ça qui a passé dans pays ya on série des moun qui peut jamais prendre conscience que Haïti fini que yo fini avec Haïti on série des moun qui peut jamais prendre conscience que peuple haïtien yo fait tourner torchon que peuple haïtien la vie peuple haïtien pas veut dire rien pour yo pa wè ki sa au moins Ariel Henry a tenté pour remettre les paysans en pays pour dire les paysans n'est pas capable qu'il remette les pays choisir un monde pour mettre dans tête pays pour combattre ça là au vinjoin pendant que toute insécurité ça l'éclair je dis à il pas un secret ou senti kidnapping non par contre si c'est l'autre ça qu'a fait si c'est guerre ou qui réduit kidnapping non mais on senti kidnapping dans fonti genre mais c'est tout petit mais où est tout à travers Rio bon présence policière qui contingent renforcé par rapport avec gens qu'on y en bas. Mais je dis, c'est l'on est rue du Rio, dit que chef PHTK a demandé pour yo mettre chef police là à terre. Raison parce que lui-même, il connaît le gain comme instrument dans yo. Insécurité à ses boucliers, insécurité à lui-même, c'est pour lui montrer nous clair que insécurité à pas hasard. Insécurité à c'est pas un bagage pour dire spontané. Non, son calcul qui fait, nous et guerre pété dans telle zone, la baille tel résultat, la pété dans telle zone, la baille tel résultat, mais ça n'a pas et non, on s'est non, moi, non, toi, non. Même j'ai avec international là, qui compte ça la faire, c'est eux-mêmes qui fait complot sous deux peuples là pour créer insécurité ça, ensemble avec PHTK, c'est eux-mêmes qui fait complot sur les peuples haïtiens. Je dis à lui clair, peuples haïtiens, supposé déplacer, coucher devant l'ambassade là tout, à Drayo, Kabanyo nan men yo, chaudière ou faire manger, même gens, nous supposons venir faire l'encafou mission là. Peuple haïtien supposé venir reposer dans l'encafou mission, venir à tente nous, venir avec Drayo nous, venir à Kabanyo nous, venir à chaudière nous, rester reposer là. Parce que là, il n'y a pas de son balan. N'avancez avec l'autre réaction concernant la situation qui a développé dans plein nan la force syndicale pour sauver pays qui qualifié révoltant. Ça qui a passé dans plein nan depuis plusieurs jours. Une situation qui mettait l'État à genoux. Selon par parole, Fossa Jacques Anderson Desroches qui a assisté là à façon habitant à courir quitter la caille. Ça ou pas même contre qui côté yo au préalé. Jacques Anderson Desroches.
Et je me dis, Marseillais, je me dis, vos amis auditeurs Radio Méga, son situation vraiment lamentable et catastrophique, ça va passer la pleine, l'irrévoltant, l'écœurant, l'inadmissible, en façon l'État qui a genou, qui tout unit, on l'État en dégringolade, moins quoi, qu'on j'ai fait au maximum qui vous fait au niveau de la société civile et la classe politique, parce que le problème de l'insécurité est d'ordre politique, parce que la autorité n'est pas à la hauteur, donc la politique est difficile. Je dis à la même assisté avec deux monde, pas pile, pas con, personnellement, moi-même, dans la station Echela, qui va aller Libale, je regarde des quantités de monde qui va me perdre de destination. Je regarde des monde qui va me demander qui ou qui fait quoi le cap. Et le monde qui a dit est-ce que nous sommes passés là, malgré la vie, il y en a qui pas monde qui pas monde dans le nord, mais qui c'est monde dans le sud, qui a cherché un côté pour réfugier tes pio. Et c'est à pain, à de l'eau, sans comme machine. Et moi, quoi, pas de bien monde qui peut écouter mes barrières, je suis passé dans la station, mais je dois vérifier ça. Et puis, dans le niveau, je dois garder les lits, je dois aller à la vie, je dois me loger. Mais Femme Dou, c'est très difficile, la plaine actuellement, c'est très très compliqué. Son situation vraiment qui se chauffe. Ma terre, et tout le monde connaît, était un GPM G9 dans Carrefour, Carrefour Douya, Cité Soleil, il y a 400 marozos chez Méchant. Gagner des situations très tendues dans de l'autre zone, même j'en attends dans la ville, des situations très tendues. Moins quoi et moins face à l'inacceptable. De fait, comme citoyen, faut nous chercher qui meilleure formule pour nous soutenir sa meilleure. Et particulièrement nous-mêmes qui avons dénoncé ça depuis plus que deux années. Pablo, nous lancer plusieurs mots de grève sur la question de la sécurité en Haïti, sur la question de la stérilisation, sur la question de la planification organisée crime, avec l'égalisation de l'État fait pour permettre de plus de monde mourir, plus de monde kidnapper, plus de monde dévaliser, plus de monde décapitaliser. Et dans le même temps, voilà, encore une fois, c'est un coup de couteau en bas pour la population recevoir. Voilà, au top côté intervention Jacques Anderson Desroches, bataille gang en pleine dans la cause syndicat textile, renvoyé deuxième journée manifestation qui était prévue faite hier lundi. Porte-parole plateforme syndicat textile Télémac Pierre a annoncé à réfléchir pour fixer une autre date pour continuer à exiger 1500 gourdes comme salaire minimum avec meilleures conditions de travail. En côté Télémac Pierre. Dans action unité, nous prenons toutes dispositions nécessaires pour que nous devons faire deux journées de mobilisation. Et de fait, nous devons ouvrir, nous étions dans la rue hier, nous étions sortis devant son APIA, faire route à l'aéroport, cap résistance, nous devons camper devant Ona pour que nous débattions des messages nécessaires, nous estimons qui pour les dirigeants. Nous devons continuer à monter Delma, nous devons rentrer dans Delma 48 pour que nous devons finir la journée de manifestation 1er mai devant. Résidence officielle, Premier ministre. Maintenant, c'est encore une nouvelle journée de manifestation. Mais, j'ai commencé à se dire là, qu'il y a un vote qui va vivre dans un pays spécial, là, on va prévoir et telle chose arriver depuis 5 heures du matin, et en pile, là, nous avons déjà commencé à vivre dans la zone pour nous être capables d'assurer une nouvelle journée de manifestation. Mais malheureusement, 8 balles dans la zone quartier Louya et Cité Soleil ou dans la zone environnante, c'est faire que nous prenons notre décision par rapport à ce qui est mettre tout le monde dans la rue. Premièrement, c'est bien couru sur tout l'aéroport parce que nous ne pouvons pas arriver. Vous voyez qui t'a sorti dans la direction Gérald Bataille, pas arrivé. Vous voyez qui t'a sorti dans la direction Canarin, Onaville. Toutes zones divisées et Cité Soleil, pas de traverser si vous voulez. Même barrière sur la pierre a été fermée à une certaine période. Nous, c'est jugé nécessaire pour que nous reporter une nouvelle journée de manifestation ça, pour une autre date, que nous pouvons discuter parce que c'est dans le cadre de concertation ensemble avec l'organisation qui nous avons choisi une autre date. Pour nous continuer à porter les revendications, parce que les revendications sont remplies. J'ai nous dit là, question barre de position, il y a 410 000 gouttes, mais toujours des mises. Question 1500 gouttes, comme salaire minimum, non, il y a toujours des mises. Question accompagnement social, non, question subvention transport, subvention manger, ça, même, c'est l'orité entier pour nous-mêmes en tant que représentants syndicats.
n'a toujours été à Télémac Pierre qui pas caché préoccupation face à situation tête chargée qui a développé dans plein nac dans quoi des bouquets majorité ouvrière qui t'a couru pour gang Matisse habité dans zone ça d'après syndicaliste là qui fait connaître ces raisons ça tout qui était la cause du pas traîné gofou le 1er mai dans 4 premières journées mobilisation côté l'autre fois Télémac Pierre on précise pour hier c'était dimanche hier c'était 1er mai. Ouvrier, yo travaille du lundi au samedi. Dimanche, lorsque sorti la carrière, si c'est pas un monde qui a de bonne volonté, la difficile pour sortir la carrière pour venir dans une manifestation. Et je dis, nous comprenons, et chaque année, toujours comme ça. Ça veut dire, et c'est pas parce que nous ne sommes pas venus, c'est pas parce que nous sommes tout ça. Mais on est en pile contrainte. Il y a un pile contrainte dans Kassaro, par exemple. Même hier là, nous avons estimé nous avons fait assez recette. Dans qui sens? Parce que depuis le week-end écoulé, il y a déjà des problèmes dans la zone maintenant. Et ouvrier en particulier, c'est dans la zone maintenant habité. Depuis le tremblement de terre, la majorité ouvrier yo sorti, yo habité dans la zone canarien, au Naville et en pleine. Et suite à ce qui s'est passé Matissan, les gens qui étaient habité Kafou, Fontamara, Matissan, ils sont obligés de loger, ils sont réfugiés dans la zone pleine parce que c'est là où ils viennent, mon petit côté, pour abriter 40 ans, 40 familles. Et en plus de ça, il y a une question de quoi des bouquets, et quoi des missions, et bidboyer, et Clercinio qui a traumatisé la population. Et si on est sur place, on va avoir une bonne minute là, parce que c'est là où les réfugiés, maintenant, pour être capable de camper dans un monde devant là, pour passer, pour que les gens qui ont couru avec 10 bébés dans la main, ils ne vont pas côté, ils ne vont pas échouer. Ça veut dire que c'est une situation, et nous-mêmes, nous avons dénoncé, et dans le cadre de manifestation que nous avons fait hier, insécurité, il y a beaucoup dans le cadre de paralysie. Et activité qui dans une métropolitaine. Non, bon, nous pas exigeant de lui. Et je dis, je pense que et nous tourner dans la rue, nous parler de bonne cause pour nous demander et nous profiter micro et micro là pour que nous sympathiser avec les gens qui déplacent les réfugiés. Parce que vous imaginez un monde qui prend un pile temps pour te construire un petit 4 blocs pour te rester. Je dis, elle est obligée de quitter. Et il n'y a pas qu'à prendre rien là-dedans pour le déplacer. Nous, en tant que syndicalistes, qui sont responsables, nous sympathisons nous et nous voulons toutes sympathiser avec tout le monde. Non seulement ouvriers, mais tout le monde qui est déplacé dans des conditions qui sont favorables. Voilà déclaration. Télémac Pierre n'avance avec information. Yo, situation qui a passé en plein dans là. Poussé en pile réaction fait à beaucoup de divers militants, divers acteurs. Toujours avec Challenger Populaire qui va régime PHTK, responsable situation, gang yo capta et mandat en pays. Gang yo fait partie yon plan pour contrôler chaque graine, chaque joint, chaque côté en de pays. Pour capable de prendre élection en gros point d'état selon régime. Du mai, n'évitez de côté de notre foi. Une bagaille aujourd'hui à la qui fait nous mal, c'est que nous connaissons notre bataille pour payer à partir de niveau ça. Parce que nous te gâtons qu'on est, pays a fait 10 ans, il était livré by gang, by spécialement mon PHTKO qui te gagné comme thématique dans tête, comme contenu qui c'est bandit légal. Et Léo dit bandit légal là, en plus, nous ne pas comprendre ça où tu veux dire. Je dis à l'éclair, première version PHTK passé, les mettre bandits au non niveau. Deuxième version passé, les mettre bandits au non niveau encore plus élevé que j'en étais avant. Ce qui veut dire, je dis à, ou vin pas gagner en sortie de là où vinoué, et 10 ans PHTK, li vin gagner comme instrument, c'est gang yo qui servent comme instrument. Ou vin jeune la bourgeoisie ensemble avec l'international là, qui gagne. Et insécurité a comme bouclier. Bouclier pour être capable de régler tout ça, vous voulez régler dans le pays. C'est-à-dire, vous jouez la plaine guerre, bitboye, quoi de bouquet en général, mais si tu es soleil pour une guerre, moi, tu es guerre. C'est seulement si tu es centré-ville là, si on a contrôlé, au moins capable de rester à l'aise. Qui veut dire, gang, non, il n'y a pas l'autre bagaille qui est Zev PHTK. Negio, il y a une bataille entre gang et gang, une façon pour le cas.
polisé une série de zones les élections dans le pays. Blanc, d'accord avec ça qu'a fait là, en façon pour nous capables de piller ça nous gagne comme ressources dans le pays. Qui veut dire une grande victime, c'est nous-mêmes, les Parisiens, nous-mêmes, petites malheureux, petites soyettes. On attend des matins, en pile le monde prend balle, tout dans la plaine, tout dans la terre noire, tout même là dans le cafoudou, il y a du balle à péter, tout. Comme je dis, le pays a venu mettre du porte au prince, couronné avec guerre. Je dis à ça, nous vivons là, comme monde, comme avant-gardiste, challenge populaire comme situé, nous vraiment senti les lamentables. Et ça fait nous mal en plus parce que nous connaissons bataille, nous tapons, nous pas de bataille pour le pays. Réginal Dumé, n'avancé concernant dossier ça, puisque là, gagné, on est gagné, monde qui est dans situation, ça en relé, et délocalisation forcée, hein? Qui oblige à courir quitter la gaillot et par rapport avec situation ça qui parle dans l'autre zone qui parle quand il réfugie au camp proche et qui parle obligé dans situation et cherche un côté pour garder comment capable frontière faire marche malgré mon n'a pas moyen et qui obligé à mettre tête sur l'autre bord parce que ou pas capable c'est pour aller dans sud. Elle dit, moun ki nan zon sa, c'est tout ici, yon soit vin soudain ma bébé Tioville, ou bien tout fou et quoi wakaye, nan la tiroti, mais non, tato central. Mais, là tellement bah problème, c'est que, et Jean nous dit là, moun yon réfugié dans propre pays encore. Oui. Vous comprenez? Elle dit là, c'est tellement situation de même, de compliqué. Pour qui ça nous dit ça, nous pourrons venir avec notre ça, que mairie à Kaye mette dehors. Mairie à Kaye mette notre dehors, bon, commencer le jamais à mettre le dehors. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Mairie à Kaye. À Kaye, 2 mai 2022. Note pour population, constat le titre. Ok? Par rapport à l'insécurité qui a galopé plusieurs côtés dans le pays, qui rend le monde à déplacer, à chercher l'autre côté pour y habiter. Dans ce sens, l'administration communale à Kaye a annoncé toute population à partir de jeudi, c'est-à-dire à partir de notre salle lui-même, lui prendre, lui sortir, qui donc, comme c'était hier, ça c'était well, à partir de hier, et lundi, que tout le monde qui a enfermé, moun kay ou qui a bay moun fait la descente, doit passer à moun sa yo nan mairie. On a parlé de mairie quoi des bouquets. Pour capable remplir. Akaye, pardon, merci. Akaye, pour capable remplir yon formulaire gratis. Cap get toute information importante cap utile mairie mairie Akaye. Et yon façon pour nous ka toujours kembe commune nous dans la paix ak sécurité. Yon moun ki arrive fè kontre ak sa nan diyan ap sibi gros sanction ke la loi prévoit pour ça. Merci pour compréhension nous administration mairie Akaye qui mettait notre salaire est sévère. Oui, c'est très important. Nous souhaitons l'autre et commune de faire même travail là, notamment Mirbalet. Bon, c'est un souci pour être capable de contrôler la commune, non? Parce que n'importe qui descend, il nous souhaite pour que soit capable de faire des suivis pour pas seulement c'est notre axe sorti, mais pour être capable de contrôler le monde qui rentre et sorti. Et dans le cas de tout, il y a des séries de zones, des séries de côtés qui ne peuvent pas être dans la situation que les journées aujourd'hui, si l'autorité locale ont contrôlé le monde qui rentre et sorti dans l'espace côté à diriger. Oui, situation ça, et nous apprenons là, la RIA a toujours levé même gens pour maintenir un carrefour du vide. Vivier et c'est celle à mon à pied qui est capable forcer et passer pour route dans la zone carrefour Vincent et pour arriver juste dans l'église chrétienne non machine à gauche à droite comme si ça s'est bloqué la machine pas capable passer et dans niveau zone Vivier Douya cité soleil il y a un monde qui est pour fréquenter route ça matin un pas capable passer avec machine ça veut dire passer à là semble paraître un petit jeu difficile encore matin dans zone Silayo par rapport avec nous connaît des pillés. Et bataille, guerre qui déclenche Koubal qui a chanté en bas là. Nous pour aller avec correspondant nous, mais en nous venir avec notre ça, OPC mettait dehors, OPC condamné action gang armée dans Croix des Bouquets, et qui jusqu'à présent monte l'État qui paraît pas fait rien comme action concrète pour permettre que ça qu'a passé dans Croix des Bouquets à la capable solutionner. Excusez.
Office élection citoyen, institution nationale indépendante qui a fait promotion et puis protection droit moun, mettez notre ça d'ailleurs, depuis faire connait depuis dimanche qui était 24 avril 2021, commune Croix des Bouquets, lit un véritable théâtre saint théâtre affrontement armé entre plusieurs groupes kabgoumen dans zone ça pour question contrôle territoire. Précisément quartier Bon Repos, Chada, Damien, Santo et Butte-Boyer. Situation ça qui a augmenté chaque jour et qui la cause nada quitté lundi 2 mai 2021, Kounia gagné groupe armé dans commune Cité Soleil qui vient à Boukate Koubalto. Jouka nan après-midi, lundi 2 mai 2021, il était difficile pour moun te capable d'un bilan exact par rapport avec quantité moun qui victime en alors guerre ça qui déclenché dans mitan différents groupes armés dans zone Silayo. Cependant, premier élément information fait état fait qu'on est que ta gagné sandrilé un dizaine moun qui mouri et qui blessé dans mitan population civile. Plusieurs kay passé en bas gros flamme dit fait plusieurs centaines de familles obligées pour quitter la caillou, plusieurs moun prend en otage, a dit obligé que ça pas qu'à te déplacer dans situation obligé rester résident en bas cabane depuis 8 jours la caillou et pas oublier moun yo qui pas gain ni de l'eau, ni sel, ni farine, mais ni pain pour ta manger parce que les situations comme ça, même mon petit morceau pain ou qu'à manger avec un petit goût de l'eau la kimbo, mais moun yo pas gain ça même encore. Mais cause affrontement ça et question circulation li presque pas fait dans zone ça yo. Route nationale qui bat accès, route nationale numéro 1, numéro 3, li bloqué et qui sont communication qui gagne en tête qui t'a dû exister, qui relie entre département l'ouest, la Tibonite, nord, nord-est, nord-ouest, centre, li paraît difficile. Et tout ça a passé en bas d'Enawe, déboule gogoje autorité concernée, qui fait silence d'après ça au précédent. Dans ce sens, li mandé avec autorité concernée. Pour capable malgré yo faire la sous oreille yo faire manger yo pour yo pas ouais li mandé pour capable prendre responsabilité yo pour sécuriser la vie à bien citoyen yo malgré appel au secours malgré alerte SOS qui lancé bon côté habitant dans zone ça côté que y a victime en babal bandi k'ap goumen nan mitan yo au PC quoi faut autorité qui là dans l'état yo prend responsabilité yo et puis depuis 8 jours mais un seul message k'ap passé côté que moun dans zone ça brûlé en mouri aucun action concrète pas faite bon côté Conseil supérieur police nationale qui c'est CSPN. J'ai ça prouvé incapacité autorité yo pour réagir face avec situation ça côté gang armé décidé fait ça ouvler et à tout le monde j'ai ouvler d'après ça qui dit bon côté autorité dans OPC. C'est même situation en tout que qui démarre là non, l'autre côté encore. Pendant OPC rappelé, c'est depuis la date qui était 1er juin 2021, quartier Matissan et notre sud capitale paysan, le côté guerre déclaré dans mitan différents groupes armés, on dit Fonta groupe Nantibois, groupe Nagaravine, groupe dans village de Dieu qui bloquait grand sud paysan. On dit un ensemble de départements dans le sud qui relie avec Port-au-Prince, avec l'ouest, on dit bien. Département sud, 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 sud-est, NIP, grand, dense, côté communication coupée, là, on a parlé de questions par voie terrestre, coupée entre différents départements. Ça, Office de protection citoyen, lui rappeler que responsabilité que l'autorité a gagné pour capable sécuriser la vie moun, ak bien moun, protéger via bien moun. Yo. Pendant que OPC dit, lui était à l'État pour prendre responsabilité. Yo. Office l'élection citoyen l'y exhorter pour que l'autorité prenne toute disposition urgente pour permettre que la paix, l'ordre capable de retourner ni dans Croix des Bouquets, ni dans Cité Soleil, Matissan, Fontamara. C'est protecteur citoyen Renan Edouville qui signe en bas série Notre Silayo. Nous avons toujours été dans ça qui est avec notre qui a sorti concernant la situation ça qui gagne dans le pays, gagne notre bureau ancien député Mibale Abel de Colline qui lançait USOS. By toute ONG internationale qui travaille dans le pays d'Haïti pour porter assistance à la commune Mirbalè. Depuis le week-end 1er mai 2022, qui passait à plusieurs centaines de monde qui tap vivant dans la commune Croix des Bouquets avec la plaine débarqué dans la commune Mirbalè. Toute quantité de monde sérieux qui a quitté Kayou à cause de conflit armé entre gangs dans la commune Croix des Bouquets dans la zone la plaine. La trie monde qui sortit dans la commune Croix des Bouquets la plaine avec Cité Soleil qui a débarqué dans Mirbalè déjà by un peu
pile tête chargée à cause de manque capacité accueil. Mais sous ça, institution dans la commune Mirbalais pas gain moyen pour assistance à quantité de monde quoi des bouquets la pleine cité soleil qui a cherché refuge dans la commune. Bureau ancien député Abel Décollement des gouvernements premier ministre Ariel Henry pour prendre responsabilité devant danger qui a menacé population commune Mirbalais. Bureau ancien député Décollement a demandé coalition qui sous pouvoir pour aider ce petit temps autorité dans la commune Mirbalais préparer un espace accueil pour quantité de monde qui a pu quitter quoi des bouquets la pleine cité soleil à cause de la guerre entre gang armée. Pour finir, bureau ancien député Abel Décollement quoi premier ministre Ariel Henry ensemble à toute coalition qui sous pouvoir de faire un geste pour libérer peuple haïtien si en cas yo pas ka bay résultat. C'est note pour la presse. Bureau ancien député Mirbalais Abel Décollement sorti pour sous situation qui gagne en dans pays. Et voilà, merci à pile. Nous prêts à aller dans la province avec différents correspondants. Nous, mais nous prenons une série correspondant dans le premier tranchant là. Et puis, nous retournons après pour nous. Nous avançons avec l'autre correspondant nous avec reste information. Au gain intérêt pour pas avoir bouton radio. Nous restons là. Mais en attendant, on allait avec Javanès Soliman. Mais après, nous prêts avec l'autre monsieur après pour nous. Et Javanès, ça qui gagne au cas comment super à lever pour matin? Bonjour Blaise Peterson, bonjour également à Jean-Louis Sévère, bonjour à Marcel Joseph, lui-même compatriote de Manafrique. Bonjour à tous les auditeurs Radio Méga et toute radio qui relaie les nouvelles Méga. Et chaque matin, il faut que nous disions nos cas et les lever là avec le soleil là qui commence par être nuit, comparativement avec hier matin, et le soleil là qui paraît être nuit, puisque nous connaissons depuis un jour ça, la pluie persiste de tomber sous le département sud pays. Une gouffre artisanale, et organisée et dans la ville Okaï, et bien, et pendant la fête. Côté que c'était sous l'obédience du ministère agriculture avec ministère affaires sociales qui était organisé groupe à cause et font ça, et bien côté que tu as gagné plusieurs monde qui sont sorti à travers le département sud là pour être capable de participer et dans la fois là il faut qu'on dit que tu as gagné un gros tour bref que monde pas ouais facile et bien qui était exposé pendant un moment là côté et monde qui était venu pour être capable de participer dans la fois ça, et bien lui-même il était vraiment ému gens que il était ouais qualité tout bref qui était installé même bon côté machin il était même il était vraiment dit bagarre pas de bon pour lui aussi vous êtes gagné en pile monde qui était fait les déplacements mais il n'y a pas de vente rien il était vraiment plein en pile parce que il dit bagarre là il pas de bon pour lui toutefois il a demandé pour que il gagne plus monde qui déplacé venu pour être capable de vendre à mes cabines là parce que il estime que ce problème Matissan et qui bat problème puisque il fait qu'on que l'argent lui-même n'est pas circulé en d'un pays mais l'autre pour capter l'actualité à la département sud là c'est toujours question carburant et bien et à station à essence jusqu'à présent là pas qu'on capable bail à population gaz pour même capable circuler c'est nous sommes capables de contrôler deux pompes à essence qui n'a pas fonctionné dans une ville Okaï mais faut qu'on dise c'était avec un peu de difficulté pour nous de arriver mettre une petite base dans un véhicule du troisième ville pays à Bougou Bouton Radio à Radio Méga, moi c'est Jean-Ranel Soliman. Merci en pile, Jovanès Soliman, correspondant au Guinot du Vernet, Marquens, Louis, Andy Désir, Vénès et puis Danou Daniel, pour nous capables rapprocher avec sa capacité dans la ville provinciale. Mais laissez-moi dire, nous tous les tournées tout après Pouznan. Nous pourrons venir avec réaction, déclaration d'Orvilla Normil, qui parlait dans nos conférences pasteur haïtien, qui vont l'être à tout l'ouvrir, by Kogouplan, pour dénoncer Kogouplan, dit, qui toujours a foué bouche dans les affaires politiques pays et qui gagne responsabilité dans sa capacité dans le pays. Comment la rue a levé, qui était nos route nationale numéro 1 qui part, je m'en connais un bon moment, mais tout matin là, nous sommes capables de nous détecter un pile de détonation dans la zone de là, mais dans la zone à Kazo, à la Nerette, à Kafou, nous sommes capables de nous. Depuis hier, c'est brigade de vigilance. Tout le monde qui a passé là, obligé d'identifier ou bien fouiller ou bien connaître. Ce sont des bons moments, ce sont mauvais moments. Et dans ce qui est avec la circulation, comme tout, la réponse n'a pas existé sur route nationale numéro 1. Seulement chauffeur moto qui essayait de traverser ces zones silence. On va dire pour matin, nous remarquons plus de monde par rapport à hier. Plus de monde en pile de béton, ça a été évacué avec activité et ça a été
désert et puis on quitte zone là. Mais là nous quitter toute zone ça, on est capable de faire arriver au niveau de Capouvertin, capable de au niveau de Capouvertin, c'est gros barricade qui nous est capable de au niveau de Capouvertin. Là nous remarquons plusieurs caoutchoucs. Vous remarquez que monsieur a croisé plusieurs machines de manière à ce qu'il soit capable de mettre des brigades de vigilance dans la zone de Silan. Et nous équipes de zone de Capou Vestin, nous avons commencé au niveau de Capou Duya, de façon à plus capable de jouer plusieurs mounes à tenter de traverser les zones Tao. Et nous étions au niveau de Senapi, là nous déjà remarqué que Senapi a trouvé. Bien là, j'ai cap. Ce matin-là, qui a essayé d'ouvrir toute activité. Là, nous sommes capables de remarquer quelques camionnettes au niveau des défenseurs qui ont essayé de mettre tête. Maintenant, pour mettre une camionnette pour mettre tête sous un caso, à la fois de mission pour matin, nous pas remarquer pour cette camionnette ça. Bah, on est sur des questions de ça veut dire, Jean-Michel, cette question-là pour matin là, et on a parlé en là, et Mounio, j'en dis, c'est divers citoyens qui prennent là à pied, ça qui eux-mêmes, soit pas l'activité, ou bien qui a fait façon là pour capable, et on a dit, délocaliser, forcer, par rapport avec cette situation qui est en bas là. Oui, exactement, la situation. Nous comptons que nous sommes capables de nous remarquer plusieurs personnes qui aboutissent sur cette chose, qui ont des mallettes, qui ont des valises, plusieurs personnes, plusieurs moments avec des gens dans les là, qui ont été capables de quitter les zones pour aller ou figer de l'autre côté. Pas de question machine qui fait, pas de machine même. Question machine, transport, ça paralysé. Pas de ça du tout. Non, pas de ça, la zone route nationale, mais on est là, on est là, on est là, on est déjà remarqué que plusieurs camionnettes qui ont en face, on est des têtes sous dehors. Oui, sous dehors. Hier nous connaissons lorsque tu as une situation, ça tu as une présence policière, mais pour matin, comment ça, est-ce qu'il n'y a pas où joindre quelques policiers sur route là? Là, nous faisons un petit cas pour nous visiter à Capoudia, nous ne pouvons pas marquer. Nous venons visiter à Capoudia, nous ne pouvons pas marquer présence policière. Mais comme tu es de Capoudia, nous devons marquer présence en Union Blaine de Crème dans un site, mais nous ne pouvons pas prier policier à terre. Mais je ne sais pas si on est ou pas. Mais seulement tu es. D'accord. Merci un peu Jean-Michel Josué, Jean-Saud Fellan là, député gain information additionnelle, pas manquer ça pour nous capable informer auditoire Radio Méga. Merci un peu Jean-Michel et puis pour dans ça avec vous-même. Pas de problème de situation. Mais là, il y a une fagne évolution à propos. D'accord. Et nous avons tout gardé avec M. Provincio. En tout garde avec M. Provincio, préparé qui nous a pour moi sévère. On nous allons avec Mackens, dans Gonaïve. Nous allons avec Désir tout. Et après ça, pour nous avancer avec reste information. C'est ça, oui. En plus, le monde matin là, tu as gardé est-ce que. Et comment ça y est? Il y a 60% en pile. 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 Gros détonation pour regarder est-ce que le carré t'a sauvé pour yo et gen moun la qui sa destination blaze valise sous do yo yo pa gen aucune destination yo juste prend l'arrière parce que yo connaît si yo rete la caillou yo ka victime. Imagine un moun qui gen madame ou gen petit ou baron sel petit ou gen deux trois petit moun ça dit nous parler avec et nous parler en province Mackens lui en Gonaïve comment ça bonjour Mackens. Bonjour, Jean-Wilner, et nous saluer Peter Saint-Blaise, nous saluer Marcel Joseph, lui-même qui a assuré mandat technique. Nous saluer tout auditeur et toute auditrice Radio Mégao à travers tout pays. Nous sommes plaisir tout pour nous saluer tout correspondant et Radio Mégao. Donc, bonjour à tout le monde qui est toujours branché sur 106.3 et 92.5 qui est capable toujours été informé sur l'antenne et Radio Méga, après le journal Méga Matin. Rapidement, on a pris une information pour nous deux. Et puis, personne ne va se lever avec un temps ensoleillé. Et pour matin, on est capable de dire activité au même. Yo, censé reprendre. Je dis à ce mardi, c'est jour marché 4e section en poteau. Donc, nous remarquons qu'il y a plusieurs et chauffeurs camionnettes et qui déjà dans la roue parce que nous connaissons qu'il y a un problème Gaza qui a persisté au niveau de cité indépendance, même gens à tout reste pays. Donc, Gaza lui-même, lui a vendu environ 1000 gouttes dans Galon à paix dans la ville Gonaïve. Donc, ça qui permet de gagner trop machines capables de dire qu'il y a circulation hein, à travers toute ville là, c'est même constaté pour les chauffeurs moto et qui réduit et considérablement la circulation en bas. Écoutez, indépendance là, Fakodo, hier lundi, il y a une deuxième phase, manifestation syndicat enseignant Gonaïvio, le même qui t'en met, côté curiosité, prend la route là encore une fois hier. Tout
toujours dans l'idée pour capable exiger nomination ancien en salle de classe et plutôt pour capable payer et plusieurs mois ou plusieurs années arriérés salaires, sans oublier 4 débits et bien professeur Sayo lui-même lui été accompagné de plusieurs membres de la population, hein, sans oublier plusieurs élèves l'école nationale coup privé dont un lycée Fab Gifford qui partage pas du l'entrée hier dans la manifestation, hein, contrairement à Jean Sateye, semaine passée, donc professeur eux-mêmes, ils étaient sortis dans une zone bigot, donc ils étaient lagué plusieurs écoles qui étaient sur route jusqu'à ce qu'ils ont délivré un message et la direction départementale et éducation nationale, là, sur route nationale, nous sommes en zone 4, donc nous connaissons et c'est toujours un problème, c'est toujours exigence, c'est toujours demander la nomination, et puis demander pour payer, aérer sa lettre, sans oublier les 4 débits que professeur eux-mêmes y a demandé, donc pour être capable de reprendre l'activité éducative, être capable de reprendre, il faut que le gouvernement lui-même lui réponde à des idées à travers le professeur Stilayo et qui dit si le ministère de l'Éducation nationale pas répondre au PCPC, le PAWE, examen l'État, pour examen de deuxième année et examen NSCAP, un villa. Donc, il faut que le ministre soit capable de dire, M. Maniga, c'est pressé pour répondre à la revendication du professeur Stilayo. Il faut que nous soyons lui-même, le responsable de la dans la cité indépendante, la veille, et 600 ans villa, nous croyons qu'il a privé dans le mois de juillet, vous voyez que vous n'avez pas fêté 600 anniversaires. Donc, en pile, la question à poser, est-ce que c'est sous Fatra, en bas Fatra, comment, qui ça qui a fait pour capable de marquer le 600e anniversaire et le cité indépendance. En venant sans ça, il y a une organisation pour le Smagonaïs, eux-mêmes, qui est en main en série d'activités au niveau de Woodat, côté qui a nettoyé Canalio, eh bien, il y a non seulement nettoyé Canalio, l'organisation ça à tout, il y a retiré Fatra et dans zone, il y a retiré Fatra dans zone Woodat pour sa fête, eh bien, Staffla, m'a dit avec quelques monde pour être capable de rejoindre le mouvement ça qui est en main là. Donc, qui c'est une très belle initiative, il y a porté Woodat et plusieurs autres quartiers qui ont compté faire ça là-dedans. Pour sa fête, il y a besoin de peinture, il y a besoin de tout drapeau, pinceau, manchette, il y a besoin de tout sachet de l'eau, plachot, jus, galon gaz. Si il y a des gens qui veulent aider, parce que non seulement il y a fini de tirer Fatra, mais il y a peinturé quelques côtés sur Woodat pour capable embellir Woodat. Donc, il y a un grand budget qui est évalué à environ 107 225 gouttes qui a besoin. Quel est le bon samaritain qui t'a voulu contacter l'organisation pour le lancement de la vie? Il est capable de faire ça pour Baro Bacop. Il est capable de rire les responsables. Non, 43 52 52 78, qui est 46 23 20 27. 46 23 20 27 pour capable Bacop. Organisation pour le lancement de la vie, le même qui permet une série d'activités au niveau route d'Atlan pour porter route d'Atlan. Donc, une initiative qui est très louable. Côté qui a demandé à toute petite Gounaï pour Bayo Bacop que et sa nécessité. M'a rappelé nous non pas c'est lui Maken, c'est de Gounaï pour Gogo Toto Radio Amega. Merci tout le monde. Rendez-vous cassé demain. Merci Maken Sli pour toute information dans Gounaï. Direction Cap-Haïtien. Comment ça est? Bonjour Guino Duvernay. Merci vers Marcel Joseph. Bonjour pour tout auditeur Radio Méga. Bonjour pour nous toutes. Deuxième ville pays d'Haïti au Cap-Haïtien lundi matin calme. Et puis comme dit Ayala, tant est très maussade à côté que t'es vraiment pas tant là, t'es marqué la pluie. Et on connaît déjà deuxième ville pays d'Haïti pas vraiment en mesure pour recevoir même 5 secondes la pluie. Un monde tant pis le monde toujours dans gros inquiétude. D'ailleurs, Fatra, la boue t'es toujours à taille d'assaut ou la rue. Et situation toujours très compliquée. Question transport en commun, c'est gros chéri, pita gros parler en pile toujours entre chauffeur et passager côté de ces chauffeurs qui fixent prio, c'est madame de côté ou parler question de motoire, c'est encore un autre gros problème à cause du ratement gaz qui gagne pour nous dire. Question gaz là, c'est un gros tête chargé, côté malgré des pompes qui tournent, malgré des gaz, mais c'est moun qui gagne gros doum, qui gagne chance de gaz, tandis que machine go pas capable vraiment faire gaz normalement, moto pas capable faire gaz normalement, et c'est dans la rue, il est obligé à l'acheter 750 gouttes jusqu'à arriver 1000 gouttes. Vous entendez, c'est une situation qui est très critique. D'ailleurs, ailleurs là,
c'est l'agent Idbo qui est obligé à faire intervention côté sur route nationale numéro 1 au niveau de Kankok. Gardez quand les gaz qui viennent, ils ont diesel avec un gasoline, c'est dans la route là même ils ont campé pour pas approvisionner gros doum qui est doum avant nous dans la route là pour faire marché noir. C'est une situation qui est très très compliquée et malgré tu fais passer ce point éclaté dans la question stockage gaz, la population pas jamais tirer les sons de ça vraiment. Bataille ouvrier nord, et bien, il y a même eu positionné le prononcé sous date 1er mai. Mais pas le monde toujours prend 1er mai pour faire travail avec l'agriculture. Et bien, bataille ouvrier, on fait connaître 1er mai, c'est une victoire pour ouvrier, ouvriers. Côté, il était appelé pour réclamer question de travail là. Mais faut que dire, c'est pas le moment tout. Et malgré c'est une victoire, mais c'est au moment que il y a plus capable de plaindre. Situation ouvrier au côté de l'âme américaine, monter la vie chère, augmenter charge pupille, mais autorité responsable, par exemple, fixer vraiment sous question salaire minimum, non, qui est vraiment sur salaire tuberculose. Mais même fait connaître, faut que la population continue bataille pour vraiment salaire capable de respecter pour au moins la vie chère capable. Changer parce que situation très très compliquée dans le moment n'a pas les là bataille ouvrier nord avec accompagné plusieurs organisations y ont même qui étaient présents qui sont dans plusieurs communes du département nord y ont même y ont demandé pour population capable calégio et pour autorité en place vraiment prend une décision parce que ça pas qu'arrêter comme ça situation très très compliquée. J'ai au hasard c'est une organisation internationale en tête collée à protection civile cap haïtien yo pral réaliser psi mec a venir là yon exercice pour montrer ça sous ça monde de fait devant tremblement de terre en cas où ta va tremblement de terre dans département noir notamment dans ville cap haïtien qui pral gagne une simulation là et bien vendredi qu'a venir là avec plusieurs écoles plusieurs bureaux l'état côté yo même nous prenons et faire des simulations en cas où tu vas gagner une situation pareille dans le département nord pays d'Haïti. Et bien diverses activités réalisées nous connaissons depuis le premier mix au passé là. Et bien il y a un peu de monde qui va connaître c'est il pas souhaité il pas te balader simplement à exposer produit chaque premier mai. Faut que toujours mettre produit local en valeur et en face d'un jeune même qui continue à pour que des produits locaux en valeur. Environ deux mois depuis bureau PNCS, programme cantine scolaire Nord-Est la fermé, employé contractuel victime antenne PNCS là, Nord-Est là, ils ont rencontré la presse côté. C'est dans l'objectif pour continuer demander ministre de l'Éducation nationale là payer 8 mois de salaire et puis continuer dénoncer corruption yo qui est dit qui gain dans PNCS là pendant yo mandé organise l'état yo tant que LCC et CREF au PC pour des comptes pour yo continuer même yon bonne enquête dans institution si là. Il y a information faut que dire il y a route nationale numéro 1 route nationale numéro 3 situation très compliquée surtout à chaque fois que l'applique comme ça, et bien population vraiment en difficulté, transport comme pas capable fait normalement, et bien ça la cause, en plus monde qui gagne petit produit qui habitué à rentrer dans la commune, dans ville capable c'est pour venir vendre marchandise et puis capable servir puis capable payer l'argent l'école yo, et bien situation très compliquée, obligé pas qu'à rentrer, donc situation vraiment compliquée. Voilà, c'est ça qui fait actualité en département nord, notamment dans ville capable ici. Guinée Duvernay correspondant, rendez-vous à la prochaine. La gagne conférence à pasteur ici qui voyons l'être tout l'ouvrir par corps groupe là dans l'idée pour dénoncer corps groupe là yo dit là qui d'après yo passe pas dans faire ingérence politique en dans pays d'Haïti dans l'être ça est-ce qui si ça décrit yon table noire couleur que sous situation sociopolitique pays yon et puis l'enjeu de tout l'orgueil sous corps groupe là yo dit qui c'est principal responsable ça qui a passé en dans pays yon puis loin qu'on pas mandé à corps groupe là pour camper pour sous toute implication dans affaires politiques pays et d'Haïti en coup déclaration président Copa d'Orvilla Normile dans le micro Jean Miller Sévère. Conférence pasteur haïtien Copa écrit cartel et cap dirigé PIA qui est le corps groupe. Et depuis un certain temps, et malgré nous, Jean Pays a délabré, malgré que tout problème qui vient, eh bien, nous avons voulu montrer préoccupation
et face à la détérioration globale pays ça et qui a fini pack en pack côté que personne monde pas capable faire rien et classe défavorisée a yo vraiment alarmé ou gen problème et dans yeux cartel ambassadeur ça yo dirigeant ça yo exécutif ça cap diriger pays ça cap passer l'ordre et tribord bas bord et c'est eux même qui placer moun que yo vle premier ministre que yo vle et c'est eux qui bail bénédiction qui placer directeur général police. Alors nous pas qu'à comprendre que pays a pas fini comme ça et puis nous gagnons cartel cap diriger pays ça un cartel qui prend direction hein, et bien que aussi son gouvernement monocéphale mais il n'est un secret pour personne que c'est eux-mêmes cap diriger c'est eux-mêmes cap fait et défait il y a maintenu gouvernement corrompu régime corrompu et qui pas rempli conditions, qui pas gain popularité et pour capable maintenu pouvoir yo pour capable et faire même mise là continuer faire même mise là ingérence ça dans pays a. Alors pays a journée jodi a et non chaos total, non situation difficile côté que gain des circuits, gain des zones, gain des quartiers et qui coupé avec respect là, on prend entrée sud pays au niveau de Martissant, quatre départements et même une partie de l'ouest. Nous senti que nous alarmés, nous senti que il faut dire la vérité, toute la vérité pour que population connaît et ça qui passé là. Qui monde qui responsable des dirigeants que cartel corps groupe la placé dans pays a pour nous mêmes dans Copa corps groupe c'est une responsable situation sociopolitique qui gagne dans pays a corps groupe c'est principal responsable. Voilà, au tap côté intervention, un responsable COPA qui t'a parlé, qui voyait une lettre tout l'ouvri, bah, corps groupe en alité pour dénoncer corps groupe qui d'après eux participe à faire ingérence politique en d'appui. On a toujours été avec responsable COPA qui c'est Dorvilla Normil, conférence en pasteur haïtien dénoncer phénomène de sécurité à Cap Taïba dans la région métropolitaine Port-au-Prince-là. COPA a quoi si pouvoir en place à qui table insécurité en d'appui, en alité pour capable qu'un pouvoir pour président pour un petit bout de temps et c'est ça Dorvilla Normil c'est pas force étrangère qui a venu des réseaux d'insécurité hein? Mais c'est plutôt haïtien qui pour mettre tête ensemble une façon pour résoudre un problème non un côté pasteur Dorvilla Normil en amico radio Mika. Bon situation insécurité ça fait l'affaire corrompu parce que objectif là c'est maintenir le statu quo, objectif là c'est permettre que pays a ingouvernable, ingouverné, c'est permettre que le pays a pas capable d'avancer, c'est permettre que la situation a été comme ça, pour être capable de faire ça, vous voulez, pour que la population pas capable d'aller dans l'élection, pour pas capable de gagner une bonne élection, parce que si une bonne élection qui fait, il y a chasse des équipes ça sous pouvoir, parce que la population, peuple haïtien, il y a bout avec dirigeants ça depuis une dizaine, une vingtaine d'années. Ça demande du changement et de ce fait et monsieur la seule façon pour arrêter dans le pays c'est qu'imbé kidnapping non c'est qu'imbé insécurité a et insécurité a fait affaire yo la financer campagne insécurité a fait affaire yo pays a pas capable avancer et bien la affaire par corps groupe qui dirige pays a qui exercer la présidence là tout. Bon. Premièrement, c'est haïtien qui pour résoudre problème. Vin mette yon force étrangère, d'ailleurs, yon pas fait le pour parce que yon pas gen intérêt là-dedans. Pour yon ta fait le, faut que ta gen intérêt. C'est haïtien qui pour chita ensemble. Nous pas besoin d'un goût, mais d'un chirépit entre nous. C'est pour une chita, c'est pour haïtien chita. Même Jean qui yon fait en 1804, je le répète, nous capables de faire encore pourvu que nous gen conscience, nous comprenons que situation ça, hein, c'est ennemi pays à qui crée elle, c'est les internationaux qui parlent les pays indépendants, qui ont que guerre en indépendance, mais qui voulaient bafouer.
L'autre point d'actualité à la UNESCO dans le collègue avec le commissariat Douamoun dans les Nations Unies avec Bao Port-au-Prince qui a organisé une simulation procès sous sécurité journaliste. Activité ça fait dans l'idée pour commémorer Journée mondiale liberté de la presse qui a célébré journée mardi 3 mai là en baptême. Les journalistes sous l'emprise du numérique représentant UNESCO El Medi Hag Mouta encourage l'autorité concernée pour prendre disposition pour avancer avec enquête mené sous journaliste qui perdit la vie dans quatre exercices en fonction yo en côté El Medi Hag Mouta dans micro Alix Gauthier. Nous devons toutes et tous défendre et soutenir en tant que tel. Les technologies numériques révolutionnent encore plus ce paysage. Elles ont permis, ces technologies, les échanges d'informations sans précédent, favorisant ainsi un journalisme sans frontières. Désormais, nous pouvons voir à tout moment ce qui se passe aux quatre coins du monde. Cependant, ces possibilités s'accompagnent de nouveaux défis. L'ère du numérique amplifie également le risque pour les professionnels des médias et leurs sources d'être pris pour cible, harcelés et attaqués par divers moyens. D'où le thème de cette année, le journalisme sous l'emprise du numérique. À travers ce sujet, l'UNESCO apporte donc dans les échanges, les conversations, les questions de l'impact de l'ère numérique sur la liberté d'expression, sur la sécurité des journalistes, sur l'accès à l'information et la vie privée. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, j'invite les acteurs, le système judiciaire entier, le pouvoir exécutif, les organismes de défense des droits de l'homme, ainsi que le reste de la société civile, en particulier les barreaux de la République, à unir leurs forces pour faire avancer les dossiers de journalistes ayant malheureusement perdu leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. Bonne journée mondiale de la liberté de la presse. Représentant au commissariat Nations Unies dans Douamoun, Arnaud Augustin Royer, sous bord par l'expliquer, procès similaire, ça c'est une façon pour envoyer un message par autorité pour capable permettre journalistes qui sont victimes de jeunes justice et puis garantir la sécurité journalistes en payant. Monsieur Arnaud, quoi journaliste, c'est gardien démocratie d'après lui. Journaliste sur deux exercices métiers sans aucune contrainte. Côté déclaration de l'amico Alex Gauthier. Demain 3 mai, nous célébrerons la journée mondiale de la liberté de la presse pour rendre hommage au travail déterminant rempli par les journalistes à travers le monde et plus particulièrement aux journalistes haïtiens. Donc c'est en prélude à cette commémoration que l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, l'UNESCO, mais aussi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, organise ce procès simulé pour inviter les différents acteurs de la société haïtienne à réfléchir davantage sur la question de la protection des journalistes et la lutte contre l'impunité des crimes commis à leur égard. Ce procès simulé va aussi vous montrer que la justice pour les journalistes tués en Haïti est possible, dès lors que la volonté des acteurs concernés est au rendez-vous. Mesdames et messieurs, nul besoin de rappeler le rôle central qu'occupent les journalistes au sein de la société haïtienne. Par leur travail, ils s'efforcent à guider le pouvoir dans les voies de la justice et de la vérité, et à mettre les gouvernants face à leurs responsabilités. Les journalistes contribuent à faire vivre les droits fondamentaux de tout citoyen, leur droit à la liberté d'information, leur droit à la liberté d'opinion et leur droit à la liberté d'expression. On a toujours été dans le même dossier, ce qui est pour avec Andy Datsa, jeudi à qui c'est exactement 3 mai 2022, côté gagné, secrétaire général de l'association journaliste haïtien, qui c'est Jacques Desrosiers, dans l'occasion d'énoncer Zach assassinat qui passe 6 mois de fête sur journaliste dans le pays. Jusqu'à présent, on passe jambi ni coupable crime saïo, mais c'est Desrosiers encourage l'autorité judiciaire pour capable prendre bon jeu à disposition pour bas journalistes victimes. Yoti l'ancien justice. En côté Jacques Desrosiers dans le micro Alex Gauthier. Pour la commémoration de cette année, le thème retenu par l'UNESCO est les journalistes sous l'emprise du numérique. Mais ici, le bureau de l'UNESCO et ses partenaires ont choisi d'organiser un procès simulé sur les cas de journalistes assassinés. L'organisation de ce procès simulé exprime nos attentes de justice
pour les journalistes assassinés et rappelle au gouvernement haïtien ses engagements en faveur de la liberté de la presse. À ce procès stimulé, nous dénonçons l'impunité dont bénéficient les bourreaux et assassins de journalistes qui continuent en toute quiétude d'attaquer, d'enlever, d'assassiner les journalistes. Pendant les 30 dernières années, une vingtaine de journalistes sont assassinés. Je cite entre autres Jean-Léopold Dominique, Brignol Lindor, Jacques Roche, Némi Joseph, Diego Charles, Marie-Antoinette Duclair. Dans les cas de journalistes assassinés, deux seuls procès ont été organisés. Celui de Brignol Lindor à Petit-Gouave, celui d'Alix Joseph au Gonaïve, dont l'assassin a été libéré après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle. Nous avons poursuivi avec information, on a toujours été sous un même dossier, c'est là. L'autre bon, secrétaire général AJH, Jacques, a déroulé dénoncé situation de sécurité journaliste, qu'on est dernier jour, ça y est, qui la cause, y a pas de liberté pour exercer métier, comme ça doit. Dans sa responsable AJH, encourage le gouvernement à disposition pour garantir sécurité journaliste sur le territoire national. Parole, Jacques Desrosiers, toujours dans le micro, Alix Gauthier. Si aujourd'hui il n'y a pas de pression systématique d'un pouvoir contre les journalistes, contre les médias, aux côtés de l'impunité, les journalistes ne sont pas libres de circuler, d'aller chercher l'information là où elle se trouve, sans être inquiétés, d'être bastonnés, enlevés, d'être assassinés, sans être victimes de cette insécurité généralisée. Aujourd'hui, l'impunité et l'insécurité sont les principaux éléments de blocage à la pleine jouissance de la liberté de la presse en Haïti. Ce matin, nous voulons rappeler au gouvernement ses engagements de garantir la liberté de la presse qui doit passer, entre autres, par la fin de l'impunité et l'établissement d'un climat favorable pour la libre circulation des journalistes à travers tous les territoires.